Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nous allons visiter la maison Satan. C'est parti. On est dans une première pièce. Je sais pas si c'est vraiment une cuisine ou quoi, parce que... Voilà. J'ai déjà fait un peu le tour des lieux. Ça veut dire qu'il y aura plusieurs que... au moins 2-3 cuisines dans la maison. On y trouve un poêle magnifique. C'est un peu rebouilli un peu de partout. C'est une maison très très ancienne. Comme vous voyez, le plafond s'effrite comme il faut. On arrive dans un petit couloir. On y trouve des clés. On arrive dans une seconde pièce, je pense que c'était chambre à coucher ou salle, je sais pas trop. Par contre, le lit est un peu bizarre. Je pense que c'est un peu fait, un lit un peu fait à l'arrache. Peut-être quelqu'un qui aurait squatté ou je sais pas. Parce que c'est vraiment bizarre. Vraiment bizarre. Petite table ronde, sympa. Un petit lustre. Les amis, on arrive dans une... là, dans une cuisine, ça c'est sûr. Avec un magnifique piano. Vraiment magnifique. Je sais pas de date de il y a combien de temps, mais vraiment magnifique. Par contre, on y va un peu à tâtons parce qu'il y a des endroits. Mais seul, on pourrait vite se retrouver à, on va dire à la cave. Hein. Plus vite que prévu. J'adore ça, en pierre, en genre, en pierre le lavabo. Excellent. Là, il reste encore pas mal. Je peux pas trop m'avancer, donc. Après, il n'y a pas de. Je pense que c'est... qu'il y avait du pain là-dedans. Toute petite table de cuisine, bien sympa. On va regarder ce qu'il y a un peu dans le meuble de cuisine. Bon, ben, il reste pas mal de choses apparemment. Il reste pas mal de choses. Des bols, quelques produits d'entretien. Voilà. On va quitter la cuisine. Oula. Bon, ben, là il y a la cave. On arrive à... Ah bah non, bah je pense que c'était plutôt là. Plutôt là, le salon. Avec deux petits fauteuils bien sympas. Un petit canapé. Une chaise longue. Voilà pourquoi on l'a appelé la maison de Satan. Parce qu'il y a eu des... Comme... Bon, on voit plus trop le dessin, mais... Voilà. Là, on a un petit poêle. Un genre de... De toile qui est assez magnifique. Il reste encore deux télé. Après, c'est des vieilles télé. Hein. Oh, les vieilles petites cassettes audio, comme c'est vieux. On y retrouve un genre de petit, ouais, un petit chauffage d'appoint. Franchement, bien sympa. J'aime bien cette toile. Elle est bien, bien, bien sympa. Bon, il y en a qui sont nus puis qui ont lancé leur déchet, quoi. Il reste un morceau de pipe. Hein, dommage. Dommage. Il reste une petite statue d'un chien. Dommage qu'elle soit cassée. On a deux appliques murales, sympa. Bon, bah les amis, je vous reprends pour le premier étage. Bon, les amis, nous sommes au premier étage. Nous arrivons dans une première chambre. Vous voyez, il reste vraiment tout. Bon, ça a été retourné, hein, comme d'habitude.
vieux poste. Non, c'est pas un poste, un radio réveil. Alors voilà, la moisissure ou les champignons, je sais pas. Peut-être bien les deux. Ah, il reste vraiment tout dans ces lieux. Regarde-moi. Des livres. Agenda scolaire 91-92. Top de nuit, ancien téléphone, ça doit dater parce que je me rappelle pas d'avoir déjà vu. Bon, on va pas trop fribouiller dans les armoires. Là, je pense qu'on arrive dans une deuxième chambre. Bon, y a plus rien. Voici. Genre de toile ou un petit cadre bien bien sympa. Après c'est quoi ça? Mou du genou. Voilà, encore reste encore les peignoirs là, on voit. Après on dirait des. Un pied pour mettre une batterie, comme ça. Parce qu'on voit quand même. Là, on a des baguettes, oui, ça devait être. Devait faire de la musique ici. Les gens qui habitaient ici devaient faire de la musique, je pense. Oh, c'est sympa, un vieux tableau d'enfant. Il y a des trucs, faut que je fasse attention à pas finir. Parce qu'on voit des indices. On a un fauteuil rouge, enfin rouge bordeaux, bien sympa. Bon, ben, on est dans une salle de bain, ce qu'il y a de plus banal, hein, il reste des trucs, il reste un petit peu de tout dedans. On va pas s'éterniser là-dessus. Alors, ensuite, on arrive dans une chambre, je pense que c'était une chambre d'enfant ici peut-être. Vu que c'est un petit lit, je pense. C'était une chambre d'enfant, il reste encore beaucoup de livres. Ouais, malheureusement, ça a été tout retourné, tout vidé. Je pensais trouver je ne sais quoi dedans. Voilà, carrément la toilette là au milieu. On se demande ce qu'il fait là. Un vieux étendoir à linge. Voilà, le plafond, oui. S'effrite vraiment. Ouais. Je pense que d'ici peu, malheureusement, cette petite maison. Vieil appareil caraclette. Oh là là, Téfan. Ça date. Hein. Et là, on arrive dans une pièce. Oh, je pense que c'était une cuisine ici aussi. À moins que je me trompe, mais non, je pense pas. Donc il y avait plusieurs cuisines ici. Bon, c'est un peu bizarre parce que là, il y a carrément un lit. Un lit retourné là au milieu. Bon, il reste un peu de tout, mais par contre. Oh, c'est quoi ça? Oh, c'est un tournoi, un vieux tourne-disque, c'est ça, je me trompe pas. Oh là là, il est magnifique. La première fois que j'en vois un comme ça. Si jamais quelqu'un peut me dire à peu près de quand ça date, plus d'infos dessus, tout simplement, ça serait sympa. Encore un toilette là au milieu, je sais. C'est un peu bizarre. Hein. Cette piste, on sait même pas trop. Là, on a des affiches. Je sais pas trop. Peut-être connu à l'époque, hein, je sais pas, des mannequins ou je sais pas. Bon bah les amis, je vous reprends pour la suite. Bon bah les amis, l'exploration touche à sa fin, pardon. J'ai pas filmé le grenier ni la cave parce qu'il y avait pas grand chose d'intéressant. Bah, j'espère que cette exploration vous aura plu. N'hésitez pas à liker, à commenter, à partager et bien sûr à vous abonner. Moi, je vous dis à la prochaine. Ciao, ciao!